Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On se retrouve avec notre petit chaman et ses deux loups. Et on venait juste de sortir de notre petit avant-poste. Il y avait des gens à choper. On va choper ce pack de loups, pourquoi pas. Voir un peu s'ils sont du même niveau que nous. Il y a du monde quand même, hein. Ouais, notre petite charge est vraiment efficace. J'aime bien ce fin, c'est très con, hein, le côté hack and slash fait du bien quand on joue à des jeux genre Battle Brother où les jets de dés c'est une catastrophe, je suis vraiment très très mauvais dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? On a des new. Ok, il y a des marchés qui vont ouvrir. L'artisan bazar dans la Reston Keep, pourquoi pas. Ici on va se faire cela. Donc comme on l'avait vu dans la découverte, quand on tue suffisamment de personnages d'un type, enfin d'une faction, ils finissent par voir qu'on est trop fort pour eux, et du coup ils sont ils ont moins envie de venir nous taper en fait, tout simplement. Boum. Du coup petit à petit ils vont apprendre, voilà, bah parfait, ils nous disent ah là là, ils ont réévalué notre force. Ils savent qu'ils peuvent pas nous battre avec un groupe de cette taille, donc du coup ils vont plutôt essayer de s'enfuir si jamais on les re-rencontre maintenant. Ce qui nous empêche pas de les poursuivre et de les buter, hein, bien sûr. Ici il y a un petit truc, mais il n'y a rien de particulier. Donc il fallait qu'on recrute un troisième squad. Ici c'est un truc de bandit, j'ai l'impression, hein, si je rentre. Ouais, voilà, un camp de bandits bien gardé, donc plutôt non pour l'instant. Tiens, ici, il y a un mec qui est coincé. Oh non, c'est vraiment le signe. Run. Oh non, ils sont coincés. Ils disparaissent si je les laisse. Oh, ok. Et du coup, si on les laisse s'enfuir, ça me fait monter l'amitié, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur une montagne à côté d'une déchirure dans la roche. Et le mur de la montagne attire nos yeux. Donc on a un étrange sentiment et on s'avance vers le mur, qui est très bien. Quand on regarde de plus près, on voit que la gravure montre une scène des tribus du passé. Des guerriers qui préparent leurs armes sous un soleil radieux. Alors qu'on continue à admirer la gravure, on voit une large dépression dans la pierre à côté du bras d'un soldat, là où une arme devrait être normalement. Alors du coup, on continue à regarder, une idée étrange nous vient. Peut-être que si on plaçait une arme dans le mur, on pourrait compléter la sculpture. Donc on peut placer une arme 15 de niveau de danger, je sais pas exactement ce que ça signifie. Ou alors il faut qu'on observe plus, mais il faut qu'on ait 20 spirits. Je sais absolument pas combien on a nous si on regarde. Spirit, on a 4, ok, très bien. Donc c'est absolument pas notre taf, et pour l'instant on a une seule arme qui est notre couteau, donc on va pas la sacrifier, donc on reviendra éventuellement plus tard. Alors j'aimerais bien trouver on pouvait pas recruter ici, c'est dommage, enfin si, des mercenaires, mais j'aimerais bien trouver une troupe à distance pour compléter mes squads. Et si on dézoomait, ici on va à Umbra Cliff. Ici il y a un outpost ici, il faudrait qu'on essaye d'aller par là-bas. On va remonter vers la ville. Sachant que ça dépile ce truc-là. Hein. Nos quêtes. Nos quêtes sont où? Quest. Voilà, ce truc là, il nous reste 27 jours. C'est quoi ce Kundong, la mythique? Ah oui, ici c'est le truc, on devait attendre 7 jours pour aller rencontrer le mec, ok, donc ouais, les autres c'est 27 jours. C'est beaucoup plus loin, donc pas trop de problèmes. Alors c'est où déjà Crying Rock? On va peut-être regarder quand même, parce que bon, c'est pas tout ça, mais... Crying Rock c'est tout là-bas, nous on est... On est ici pour l'instant.
Avec Crying Rock, c'est cette zone-là. Et il faut qu'on aille dans une mine abandonnée dans le coin. On va peut-être quand même. On va aller à l'outpost du nord et on va peut-être changer de zone pour voir si on arrive éventuellement à trouver des trucs intéressants. Alors ici, on a la mine qu'on doit faire. Pendant qu'on y est, recommandé de level 3. On n'est pas encore bon niveau, hein. On est level 2, nos loups sont level 6, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fifou. Ici, on est en solo et c'est level 3 aussi, parfait, on est bien. Où est l'avant-poste du nord? Merde, il est de l'autre côté de ce petit truc. Est-ce qu'on peut passer? Faire le tour par là. Ah, ici, il y a un truc à ramasser. Hop. Il y a des coffres en haut, mais vu qu'on va changer de zone, on va y passer de toute façon. Je veux voir ce qu'on peut recruter. Voilà, le North Outpost. Très bien. Alors, le chef, qu'est-ce qu'il nous donne comme quête? Sirocco Valley. Alors, on a déjà deux quêtes qui nous demandent de changer de zone. C'est où Sirocco Valley? Zagro Mountain, Twintina Valley, je sais pas du tout où c'est. Encore un autre endroit. Fleur, Myrton. Bon, je sais pas où c'est, mais étant donné qu'on a déjà deux quêtes qui nous demandent d'aller à des endroits assez différents, on va éviter. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Des fermiers. Alors est-ce qu'on peut voir? Ouais, les fermiers c'est des mecs au corps à corps. On peut pas voir en quoi ils vont évoluer. Non, pour l'instant j'ai déjà des loups. Il faudrait que je trouve des gens. Je sais qu'il y en a des personnages qui dès le début ont plus ou moins des trucs à distance. On va aller voir dans l'autre zone, dans une partie d'entraînement j'en avais trouvé dans une autre zone. Il y a un coffre, j'ai oublié le coffre du coup. Bon, tant pis, c'est pas grave, on y retourne. Les chargements sont assez rapides, ça c'est assez plaisant. Les transitions se font bien. Ok, un petit parchemin. Pour l'instant, j'utilise très très peu les consommables. C'est probablement pas. Enfin, les combats sont pas hyper compliqués pour l'instant, quoi. Ok, on est arrivé à un niveau 4. Donc vous voyez qu'ici on est dans une party of 4. On peut donc emmener 4 personnages, mais uniquement des héros. Donc pour l'instant on a un seul personnage, ce qui veut dire qu'on pourrait en emmener 4, on irait tout seul et en plus c'est recommandé level 4, c'est pas oufissime. Bien sûr. Alors ici il y a un truc, qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors on peut recruter un escadron d'apprentis sorcières, mais on doit payer 250 de bois et 1 de jade, mais on n'a pas de jade. Ouais, on est d'accord, on n'a pas de jade. Par contre, on a débloqué un talent, j'avais pas vu. On va prendre l'XP. Hop là, 5% d'XP pour notre groupe. Donc si on trouve du jade, on sait qu'ici on pourrait éventuellement recruter des magiciens. Ici c'est pareil, party of 4. On n'a pas de bol sur les donjons. Ça c'est encore un truc de bandit. Ah, c'est des mecs des flammes, dieu des flammes là. Ok, parfait. Un West Outpost. Alors ici, vous voyez qu'on a des personnages. On va pouvoir voir. On a ici Alibandou, qui doit être quelqu'un d'une faction. Qu'est-ce qui fait partie du Dakna? On peut lui demander comment devenir pote. Ok, donc plus on l'aide, plus ils sont contents. Il y a une quête peut-être. Non, je sais pas qui est ce mec, mais pour l'instant on va pas se lancer dans des trucs du genre. Alors déjà, est-ce que on peut recruter du genre? Donc on a des villageois d'Akna ici. Qui tu es? Des villageois d'Akna. Je les connais pas, ça a l'air d'être du corps à corps avec une épée. Mais on va les prendre, tiens, allez, parce que bon, visiblement. La distance c'est compliqué. On va aller tout de suite voir
ce qu'ils font dans leur vie. En sachant qu'on peut prendre quand même pas mal de mecs, hein, donc. Mais l'XP sera partagé. Ok, très bien, donc oui, eux, ils peuvent bien évoluer, quoi. Mais c'est du corps à corps, donc ils deviennent des espions, après des initiés, donc ils ont toujours pas de compétences, arrivés là, ensuite des prêtres, ils obtiennent la frénésie d'Acne, très bien. Ou alors on les transforme en assassins, ils sont capables de lancer des couteaux. Nothing personal, j'aime ce nom de compétence. Une technique mystérieuse, connue uniquement des meilleurs assassins, téléporter sur l'ennemi et lui faire un coup critique. En plus on gagne une stack de frénésie. D'accord, donc là on est sur plutôt sur de l'assassin. Et c'est ceux-là que je connaissais, moi, les youngsters, là, eux, ils attaquent à distance. Enfin, où ils ont une attaque à distance, je sais pas si c'est un... ils lancent un couteau ou si c'est un sort, mais... c'est eux qu'il faudrait qu'on trouve. Bon, maintenant qu'on les a, on va les garder. Mais on est vraiment sur, pour l'instant, une attaque de sur des gens au corps à corps. Alors, du coup, il y avait d'autres trucs intéressants. Qu'est-ce que tu fais? Ils veulent de la Blackroin Highstone. C'est pas des endroits où on va, une fois de plus. Hein. C'est embêtant. On va parler au personnage. Alors, toi, par exemple, qui es-tu? Est-ce qu'on peut faire une quête pour toi? Ah, ici, quelqu'un qui cherche quelqu'un qui est du côté de Reston Keep. Ce qui nous intéresse, c'est pas très loin. Oui, on va dire que oui. Très bien, pourquoi pas. On doit capturer quelqu'un pour Rick. Et Nura... qui c'est qu'elle aime? Elle aime bien Najima. Ok, très bien. Est-ce qu'elle veut elle a une quête? Bah, elle va envoyer, emmener quelques trucs à Redstone Keep. Parfait. Bah, on y va du coup. On doit emmener une veste en cuir. Bon, là, on est sur des quêtes de base. Hein, vers l'Est Outpost. Et normalement, Redstone Keep, c'est juste là. Hein. Si je me gourre pas. Alors, Redstone Valley, c'est peut-être pas pareil. Si c'est ça, Redstone Valley et il y a Redstone Keep Est Outpost. Ok, très bien. On va faire ces deux quêtes, ça me paraît pas mal. Il nous reste encore la moitié là, à attendre. Donc, ok, c'est l'endroit où on avait été au début. Est-ce qu'on peut passer à Quest? Est-ce qu'on peut suivre ces quêtes? J'ai pas l'impression. Donc là, c'est près de l'ouest, et ici, c'est près de l'est. Ok, très bien. Je sais pas comment on fait pour suivre, choisir les quêtes qu'on suit. D'ailleurs, on a Tree Squad maintenant, donc j'imagine qu'il faut qu'on aille voir... Donc il faut qu'on aille tout là-bas. Bon, on va passer par le truc central, du coup. Profiter pour rendre la quête au mec qui voulait qu'on ait 3 squads. Ça fera pas de mal. Ah, c'était lui. Hop là, ok, on a réussi notre quête. Vous avez récupéré tous vos hommes. Prenez ce cimetière et montrez-moi de quoi vous êtes fait. Alors, les disciples du fameux dieu du feu, là, sont du côté de Crying Rock, au nord de Reston Keep. Trouver ce qui branle, hein, tout simplement. Alors, I c'est pas l'inventaire, I c'est Intel. Mais du coup, on a eu un cimetière? Absolument pas. Ok, c'est pas grave. C'était peut-être une image. On va essayer de choper la personne qu'on doit capturer. Fugitif parti. Ok, c'est des mercenaires. Qu'est-ce qui se passe? Rick vous a envoyé. Vous avez été trompé. J'ai peut-être des problèmes avec elle, mais je ne suis pas une mauvaise personne, croyez-moi. Bah non, non, non.
On est là pour faire le truc. Ah, on combat tout seul. Ah bah c'est intéressant. Putain, ils font mal. La vache, d'accord. Donc quête a été cancellée du coup parce que le mec s'est enfui. La vache, je m'attendais pas effectivement à un combat tout seul comme ça. Alors peut-être qu'il va effectivement falloir que on utilise un peu nos objets. Donc ça nous donne des boosts de coups critiques. Et ça, ça nous donne des bonus de vitesse. On va prendre l'idée, j'aime assez ça. On s'est un peu fait dépouiller. Je m'attendais pas à ce que ce soit un combat où on serait seul, effectivement. Hein. Bon, je le dis tout de suite. C'est pas très grave. Il faut qu'on fasse l'autre quête, du coup, qui était du côté de l'Est, si je me gourre pas. L'outpost de l'Est. On est là, on remonte dessus, parfait. C'est quoi ça? Régiment, niveau 3. Il y a deux trucs à explorer, on n'a pas le temps malheureusement. On va ramasser ce petit marchin là. Prendre ce truc là. Et on va livrer notre Little West. Il nous paye, parfait. On est monté à 11 avec Nura et on a gagné du prestige. Bah, c'est nickel. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner? Ah, ok, ils veulent qu'on récupère des. Je crois qu'on l'avait fait en découverte cette quête. Des gens, enfin des certains de leurs jeunes qui se sont enfuis. On va les faire. Et il nous propose quoi comme recrutement, lui? Des fermiers. Non, je suis pas de fermier. On va parler à lui qui a l'air d'avoir une quête. Alors, il nous demande si on est venu ici pour explorer. Ah, il nous parle d'un volcan où des choses étranges apparaissent. Enfin, se passent. Il va demander s'il y a des choses qui sont qui pourraient éventuellement faire peur. Il touche ce qui lui reste de ses cheveux et il lui dit il y a un cratère sans fond, il paraît qu'une étoile est tombée dessus le jour du soleil noir. Il voit qu'on réagit pas, du coup il s'énerve un peu et il nous dit si vous me croyez pas vous avez qu'à y aller, si vous survivez, revenez vers moi et je vous récompenserai. Parfait, donc on va s'occuper d'abord de notre quête avec les fermiers. Donc eux, ils s'étaient paumés, ils sont contents qu'on les retrouve. Un marchand mystérieux. Mystérieux marchand. Alors lui, il nous propose de nous vendre un marteau de qualité légendaire pour 567. Par contre, il aura besoin de deux outils de forgeage qu'on n'a pas. Donc c'est ça le fameux marché qui ouvre. Lui, il a une broadsword. 294 pour l'instant, non. Pawn marchand, une longue lance. Non, lui il recherche une longue lance, très bien. Et lui, une armure en bois avancée pour 31. On va la prendre pour le coup, on va voir ce que ça donne. Inventaire. Plus de vie, plus de défense, plus de force, plus de mouvement, bah c'est bien. Clairement bien, on va prendre ça. Quelque chose me dit aussi que l'épée va être mieux que notre couteau, on va tester. Wyvern Broadsword. C'est une arme à deux mains. Ah oui, c'est une arme à deux mains. Alors ça c'était une dague, donc forcément ça va être plus efficace. Range 180, plus 9, purite plus 3. Et on a du coup Heavy Weapon Attack. Par contre, il faut qu'on soit level 3 pour l'utiliser. C'est pas grave, on repassera. Il faut pas qu'on attende trop parce qu'il faut aussi qu'on trouve les fermiers là. Il y en a ici. Venez ici. Allez les gars. Coucou. Ok, c'est pareil. Ils étaient sur le point de faire demi-tour aussi, visiblement. Donc tant mieux. Ici, il y a quoi?
Régiment recommandé de niveau 3. Faudrait qu'on arrive à faire monter un peu de niveau nos péons, donc faudrait que je fasse les batailles à droite à gauche réellement. Le mineur là, il nous dit des choses intéressantes. Donc il nous dit n'y allez pas, c'est dangereux. Ok, pas de problème, on n'y va pas. Bon, vu qu'on a trouvé un fermier là, un fermier en haut, j'imagine que les derniers vont être plutôt au sud. Ici, il y a des trucs. On va se faire des petits combats pour essayer de monter un peu nos mecs level 1 là. Ouf, on le dépote. Hein. Parfait, du coup il gagne direct un niveau et on a gagné des poudres hallucinogènes. Parfait. Donc ils vont nous mettre le petit message à chaque fois, c'est pas très très gênant. Faut qu'on trouve ces foutus fermiers. Des bandits ici, on va essayer de les choper. Ils sont 14 hein. Boum. Ok, c'est fait. Et on gagne nous-mêmes un niveau du coup. On a gagné un gift qui nous donne un item aléatoire et un item littéraire aléatoire. Ah, je connais pas ça, comment ça fonctionne. C'est un truc qu'on active. Ah d'accord, non, ça nous donne Eagle en Hunter, qui est un objet Nazir Hunter Story, et on a également eu Summer March, et qui est une musique, très bien, et c'est pas un truc qu'on peut utiliser, hein, on est d'accord, ça doit être juste des choses à vendre, ok, pas de soucis. Où sont ces foutus fermiers? Est-ce qu'on les voit sur notre map? Bordel, ah ils sont, putain ils sont juste là, les gars. Eux ils veulent qu'on les paye. Non, non c'est mort. Les gars, vous allez gentiment aller vous faire foutre. J'ai envie de dire. Des petits paysans là. Voilà. Tout le monde monte de niveau, parfait. C'est vrai que j'ai même pas pris mon niveau du coup. Je peux prendre mon épée. Alors, on va s'occuper de ça tout de suite, on va prendre notre petit niveau. Alors, on peut améliorer Slam. Plus 10% de vie, ça augmente notre vie jusqu'à 155, très bien. Ou alors, on va vers Slam plus, pas plus plus, plus 10 de force, ok, pourquoi pas. Ici, Crunch. On mord l'ennemi pour lui faire des dommages, enfin on bite, ouais, si, c'est une morsure, ouais. Pour lui faire des dommages en demi-cercle devant nous, on récupère 10% de notre dégâts en vie. On fait 255, donc deux fois notre attaque, plus notre force x 0,02, max damage x 4. Et quand on est en mode bête, on récupère 20% de notre vie. Donc pour l'instant on n'a pas encore... Merde, putain, je me suis bourré, j'ai mis slick, je l'ai activé. C'est pas grave, on va le prendre du coup. On n'a pas encore eu l'occasion de se transformer en bête. Mais ça pourrait être intéressant à terme. Je voulais prendre un passif, mais tant pis. On va monter de niveau de toute façon, c'est pas trop le problème. On va pouvoir du coup prendre notre épée aussi. On va être un peu plus badass. Et il faut qu'on retourne. On est où? On est là. Ok, c'est absolument pas par ici. Il faut qu'on retourne donner notre petite quête. Non, on va pas se faire des Dreser Brotherhood. Il commence à être un peu trop faible. Les étoiles en haut, je crois que c'est le prestige qu'on a dans la zone. On est plutôt bien, c'est cool. On peut pas passer là? On peut pas passer. Zout! Allez, le mec, fait le tour. Voilà, hop. J'ai trouvé tous les jeunes qui s'étaient enfuis. Et nous file un petit peu de thunes. Et en plus, on augmente notre prestige. C'est parfait.
Alors, il va être grand temps par contre que on trace à notre point de rendez-vous là. Crying Rock. Allez, 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 allez. Alors, on va regarder où c'est. Abandonné de mine, est-ce qu'on la connaît? Ah putain, on la connaît pas. Faut qu'on la trouve du coup. Ah, ça c'est la tristesse. Alors. D'accord, donc on a quelqu'un qui nous appelle. Et on a Malak. Ah bah le mec qui nous a... qui nous a... qu'on avait sauvé la dernière fois là. Alors, mon bienfaiteur, je vous ai finalement trouvé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai absolument besoin de votre aide. Vous devez savoir combien les... enfin, quelle puissance les Ifrits possèdent. Il y a des trucs ici, je sais pas ce que c'est. Ils ont récemment commencé à attaquer des humains en groupe. Si les rumeurs sont vraies, les Ifrits les plus puissants sont presque impossibles à distinguer des humains, sauf pour quelques différences superficielles. Ils ont leur propre langage, intelligence et leur propre magie. Ils évoluent et s'adaptent rapidement également. Si ça continue, les humains ne pourront plus se défendre d'eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mec? J'ai trouvé une base secrète des Ifrits. On dirait qu'ils sont en train de faire un complot. Donc c'est la fameuse Panoela Void. On avait été jusqu'ici dans la découverte, on s'était arrêté après. Au sud de Restern Keep sont là où où je vous attendrai. Seul vous pouvez empêcher ce désastre. Ça sent un peu l'arnaque quand même, mais... éventuellement, on pourra le retrouver là-bas. Et donc, du coup, visiblement, on n'avait pas besoin d'être sur place le septième jour. Alors, la quête a changé, c'est un peu chiant. Il faudra que je trouve comment on gère. Donc, moi, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais voir cette quête. Je peux pas cliquer droit. Ouais. Il doit certainement y avoir un truc à faire pour ça. C'est pas grave. On a un talent qui s'est débloqué. On va continuer d'aller sur l'XP pour l'instant et chercher la mine abandonnée. Tiens, ici il y a des trucs. Il y a de la thune. S'il y a des gens qui s'entraînent ou qui se tapent dessus. Alors, des forces Akkal ont entouré certaines personnes prétendant qu'ils les veulent pour des crimes contre les Akkal. Ils nous appellent à l'aide. On va aider les citoyens. Donc, le chef nous propose 200 de pots de vin pour graisser notre pâte, n'est-ce pas? Si on regarde de l'autre côté, je ne sais pas du tout qui sont les Akkal, mais. On va se lancer, c'est parti, en avant. Ah oui, on a une belle grosse épée du coup. Oh putain, il y a du monde. On va activer nos buffs. Parce qu'ils sont plutôt badass les mecs là pour le coup, on est quasiment mort. On a été tué et on va retourner dans la bataille dans 4 secondes, mais on se fait globalement défoncer. Hein. Ils sont 31 en face. Visiblement, on aurait mieux fait d'accepter le pot de vin. Ah, vu qu'il nous filait 200, je pensais que c'était à peu près envisageable comme bataille. Mais apparemment, c'est pas le cas. Hein. Je suis même pas sûr qu'on ait réussi à en tuer un seul en fait. Ouais, on a perdu, c'est un peu triste. Le leader nous laisse comme ça, mais comment ça s'est passé du coup? On est descendu à 3 sur 4, 3 sur 4 et 3 sur 5, ok, bon, ça va. J'avais peur qu'on les perde tous, donc faut quand même faire hyper gaffe avec ces éventes à la con. Hein. C'est assez difficile de savoir, d'estimer la difficulté, ça manque peut-être ça, un truc, un genre de nombre de crânes ou un truc du style... pour savoir
pour savoir combien on... Enfin, est-ce que c'est jouable ou pas? Putain, niveau 12 ici. Ah ouais, non, mais on est complètement surclassé, quoi. C'est ça, en fait. On est complètement surclassé dans cette zone, c'est ça que vous me dites. Pourtant, ici, on a juste un Desertive Squadron standard. Ici, des pauvres fermiers. Ouais, là on les défonce là. Il y a juste pas de mots. On a trouvé du cantaloupe. Ok, ça te pressait un peu de bouffe. On a trouvé un arc aussi, ça fait bien plaisir. Et un peu de sous. Alors l'arc c'est pas trop notre trip, mais ici il y a un homme anxieux. Alors, bon sang, il a répandu mes utards partout et pour prendre sa revanche. Pourquoi je ne les récupère pas, vous demandez? Pourquoi vous me demandez ça? Si j'essaye de le faire, ces chiens vont me bouffer vivant. Si vous m'aidez à récupérer ma thune, je ferai en sorte que vous soyez récompensé. Et pourquoi il nous dit donnez-moi 100 de thunes et je vous le vendrai. Je vois pas trop le rapport avec le fait qu'il veut que je lui file des sous. Alors, on va lui demander, lui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, on peut, si je suis respectful, juste... Ah, mais ça devait être l'autre gars qui me disait, filez-moi 100 de blé et... On va essayer de le voler. Comment ça se passe? Ah ok, c'est on les vole en mode gros bœuf, quoi. Ah, ils ont des chiens de guerre. Tiens, mange. Merde, ils ont esquivé mon attaque. Voilà, on leur donnait un petit buff pour aider. Ah, on s'était transformé en bête, mais juste au dernier moment, trop tard. Nos petits villageois montent de niveau tranquillement. Alors, et on récupère du coup les sous. Bah, 2 x 10, c'est pas non plus la teuf, quoi. Lui il est content, il nous file une récompense, un harnais de combat. Oh, qui donne beaucoup de vie mais un peu moins de défense et en plus il faut être level 4 pour l'utiliser. Pourquoi pas. On a toujours pas trouvé notre mine abandonnée par contre. Il va falloir qu'on arrête l'épisode là. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite.